Bienvenue dans Raconte-moi New York, le seul podcast qui vous raconte New York autrement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans cet éphéméride où nous vous racontons chaque semaine un jour à New York, et ce, au travers d'un événement qui s'y est déroulé à une date donnée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Veterans Day ou Armistice Day, le jour des vétérans ou jour des anciens combattants. C'est un jour férié aux États-Unis, observé tous les ans à la date du 11 novembre. Nous vous proposons de découvrir l'histoire de ce jour de commémoration dans ce nouvel éphéméride de Raconte-moi New York. C'est le 28e président américain, Woodrow Wilson, qui est le premier à proclamer un Armistice Day à l'occasion de la signature, le 11 novembre 1918, de l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. La France et le Royaume-Uni prendront la même décision en 1920. Armistice Day devient officiellement en 1938 un jour férié fédéral aux États-Unis, c'est-à-dire considéré comme tel sur l'ensemble du territoire américain. Puis en 1945, il est envisagé que ce jour puisse, au-delà de cet armistice, célébrer l'ensemble des anciens combattants et non pas uniquement ceux de la Première Guerre mondiale. C'est le président Dwight Eisenhower qui entérinera cette extension le 26 mai 1954 et c'est ainsi à cette date que l'Armistice Day devient le Veterans Day. Veterans Day est bien entendu commémoré au sein de la ville de New York. Comme lors de tous les jours fériés fédéraux, les écoles, les postes et les administrations sont fermées. En revanche, la plupart des magasins et restaurants restent ouverts. Veterans Day est même une journée connue pour être un bon plan shopping car c'est un jour marqué par des promotions et des soldes dans les magasins. En termes de commémoration, un certain nombre d'événements y sont organisés. Le plus important est la Grande Parade. Et celle se déroulant à New York est même considérée comme étant la parade commémorative la plus importante de tous les États-Unis. La New York City Veterans Day Parade est organisée par The United War Veterans Council afin d'honorer les citoyens et citoyennes américains ayant servi la nation. Elle comprend des chars, environ 150 véhicules, des fanfares. Et ce sont près de 20 000 marcheurs, personnels militaires en service, vétérans, ainsi que des membres de leurs familles qui viennent de tout le pays pour défiler. La parade se tient sur la 5e avenue, entre la 26e et la 48e rue. 400 000 spectateurs y assistent chaque année. Elle commence juste après 11h du matin avec une cérémonie qui se déroule au Madison Square Park, entre la 5e et Madison Avenue. Un dépôt de gerbes est fait au pied du Eternal Light Flagstaff, qui est un immense porte-drapeau de près de 40 mètres de haut. Tout en haut, une étoile éclairée est toujours allumée. En 2024, il s'agira de la 105e édition de la parade. Mais Veterans Day peut aussi être l'occasion de visiter l'Intrépide Museum, car une cérémonie annuelle spéciale y est également organisée à cette occasion. L'Intrépide Sea Air and Space Museum est, on le rappelle, un musée situé à bord du porte-avions USS Intrépide. Amarré directement sur l'Hudson River, au niveau de l'extrémité ouest de la 46e rue, ce musée est consacré à l'histoire maritime, aérospatiale et militaire des États-Unis. De nombreux avions, hélicoptères et autres artefacts militaires y sont exposés. On vous renvoie à la capsule de Raconte-moi New York de janvier 2024 qui lui était consacrée. Les anciens combattants français sont eux aussi honorés à l'occasion de ce Veterans Day. Certains sont enterrés dans des cimetières de New York, Flushing, Cypress Hill, et une cérémonie leur est consacrée. Il y a même une messe qui leur est dédiée. En présence du consul de France, la Fédération française des anciens combattants participe également au défilé annuel du Veterans Day sur la 5e avenue avec la Société américaine du souvenir français, l'Association des officiers de réserve français aux États-Unis, ainsi qu'avec d'autres associations civiques françaises. Voilà pour cette éphéméride du jour, nous vous remercions de l'avoir écouté. Il est temps de nous quitter, mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite !